Oggi erige una donnetta vrola capace a strappa un marmaro con forza e delicatezza. E le sculture rendono omaggio al mare e al suo vento misterioso e al suo coraggio che balla. Salute Marie-Pierre Germain Fortini. Salute Francine. Vous êtes artiste sculpteur et votre matériau de prédilection est le marbre. Marmaros en grec, cette pierre resplendissante, c'est un véritable coup de foudre. On peut dire ça, oui, comme ça, effectivement, elle est resplendissante, elle resplendit de lumière, et elle resplendit aussi du fond des âges. Et en fait, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que je suis une fille du Cap Corse, donc une fille de la mer. De Brando, exactement. Et de Brando, oui, Brando. Et il faut savoir que quand même, le marbre est créé au fond de la mer, voilà. C'est une roche métamorphique qui vient du fond de la mer. Donc, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié pour moi. Alors Marie-Pierre, bien évidemment, le marbre est là aujourd'hui, bien présent. Mais il n'y a pas eu que cette matière. Vous avez manipulé d'autres matières, comme la terre, comme la pierre. Oui, comme tout artiste, j'ai travaillé la terre en premier, en fait. Hein. Mais j'ai toujours travaillé en taille directe. Donc... voilà, j'ai utilisé plusieurs modèles vivants, j'ai démarré. Alors vous avez un cursus un petit peu particulier, au départ c'est une envie de dessin avec l'architecture et puis vous glissez vers des études de droit, mais passionné d'histoire d'art, vous menez un double cursus. Tout à fait. Mais comment arrivez-vous à la sculpture, Marie-Pierre? Alors ça c'est une anecdote, je pense que c'est le destin de toute façon qui devait m'y emmener. Tout à fait par hasard, je vais être honnête. C'est une de mes amies, il y a fort longtemps de cela, qui me propose un stage de sculpture à Aix-en-Provence. J'étais très étonnée, j'ai dit, écoute, pourquoi veux-tu que je vienne? Mais si, j'ai besoin que tu viennes, il faut que tu viennes. Bon, je me suis inclinée, j'y suis allée. Vous ne rendez pas ce service à ce moment-là. Absolument, c'est exactement ça. Je ne vais pas dire la raison, mais c'était une raison de quota pour que le stage ait lieu. Donc, Et donc, quand je suis arrivée, c'était assez impressionnant. Il y avait un modèle vivant et des blocs de terre, etc. Donc, on m'installe devant une sellette et on me donne des outils. Et là, ça a été une révélation. En fait, ça a été la plus belle rencontre que j'ai pu faire, en fait, dans ma vie. C'était la rencontre avec ce bloc de terre. Donc, en fait, il y a un geste intuitif à tel point que le maître sculpteur du jour ne vous pense pas novice du tout, en fait. Tout à fait. Il vient me voir et il me dit mais pourquoi vous êtes pas, pourquoi vous êtes dans ce cours? Vous n'êtes pas là. Vous savez travailler la sculpture déjà. Mais j'ai dit, écoutez, non, c'est la première fois. Non, mais je ne peux pas vous croire. Carrément, carrément. Alors, j'étais un peu étonnée de sa réflexion. Et puis, en final, il m'a dit, bon, bah, écoutez, alors il ne faut jamais arrêter. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que vous avez fait. Et vous êtes rentrée en fait dans le monde de la sculpture comme ça. Et il y a un premier objet qu'on va découvrir. Vostro credo, dice radio. Di subezu di corallo. Alors expliquez-nous un petit peu le corail. En fait, c'est vraiment le début, bien avant le marbre. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Puisque j'ai fait des coraux en terre. Je les ai travaillés en terre. J'en ai fait en bronze, etc. Et alors le corail, c'est une aventure... qui est probablement lié aussi à cette histoire capicorsine presque, hein, et corse, enfin pas que capicorsine, corse, puisque le corail a quand même une importance chez nous magique, il y a quand même tout un côté magique. J'avais trouvé sur une plage de récifs coralliens, donc quelques coraux que j'ai pris. Alors il ne faut pas le faire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Bon, maintenant je le sais, je ne le ferai plus, mais bon, entre autres, celui-ci, qui est un cerveau de Neptune, qui est particulièrement beau, et d'autres pièces de corail, qui étaient à peu près grandes comme ça. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai installé tous ces coraux sur ma cheminée, à dire vrai. Et je les avais plantés dans des petits blocs de terre, et j'avais fait comme une petite forêt de corail. Puis je regardais cette forêt tous les soirs, ça me parlait. Puis un jour j'ai dit, ben, je vais en faire une sculpture. Et est née la première sculpture
de corail, enfin en tout cas sur le corail, qui était ma médusa en fait. Qui est une représentation de Médée, une des trois gorgones. Tout à fait. Médusa a été une des trois gorgones, comme vous le dites. Qu'on a décapité. Qui a été décapité. Alors, la légende du corail vient de son histoire, en fait. Médusa, c'est vraiment la sculpture qu'on voit partout, dans tous les musées. C'est cette tête horrible qu'on voit partout, avec sa chevelure de serpent et ses yeux horribles qui figent tout le monde, qui pétrifient les gens. Enfin, qui pétrifiaient les gens. Alors dans la légende, elle avait séduit Jupiter. Athéna était furieuse et lui avait donc tranché la tête. elle a tranché. Alors c'est pas Athéna qui lui a tranché la tête. Elle lui a jeté les sorts. Ah oui, elle lui a fait ses cheveux de serpent. Voilà. Et c'est Thésée qui s'est emparé de Médusa pour battre ses ennemis. En fait, il voulait pétrifier ses ennemis avec sa tête. Mais comme elle n'a pas accepté de collaborer, il lui a tranché la tête. Voilà. Et le corps, le sang qui est sorti du corps de la gorgone décapitée, de Médusa décapitée, est tombé dans la mer et s'est transformé en corail. En corail, c'est une bien jolie histoire. Donc tout ça, en fait, a coulé et vous a amené vers le marbre petit à petit, puisque c'est un matériau qui s'est quand même constitué, comme vous le disiez, dans la mer. Et c'est votre deuxième objet, l'anima, Austra Anima, qui se trouve ici devant. Bien évidemment, c'est une pièce qui est imposante, on ne pouvait pas la prendre et la mettre dans notre meuble. C'est une pièce qui revient souvent, une sculpture que vous faites souvent. Vous nous en parlez un petit peu. Elle représente quoi ? Alors, c'est inspiré d'une gorgone, en fait. Toutes mes sculptures sont aujourd'hui inspirées de la mer. Il y a différents thèmes. Il y a les voiles de corail. Il y a aussi les fleurs de corail. Mais j'aime particulièrement la voile de corail parce que j'arrive à redonner aux membres une légèreté et une transparence qu'on ne lui prête pas, que peu de gens imaginent, en fait. Tout le monde voit le marbre comme un matériau massif. Et froid alors que pas du tout. Et froid alors qu'il n'est pas froid. Il faut savoir que le marbre, au contraire, est un matériau conducteur de la chaleur. Et si vous posez la main dessus, il se réchauffe tout de suite, instantanément. Alors Marie-Pierre, nous en parlons. Moi, j'ai envie de vous voir manipuler justement ces jolies pièces. Et je vous propose d'aller avec nous à Brande, dans votre atelier. Allons-y. Le marbre qui passe pour être un matériau massif, moi, me donne des possibilités qu'aucun autre matériau m'a donné aujourd'hui. Moi, je travaille toujours en résonance avec ma pierre. Voilà. Donc, je l'écoute énormément. Je suis toujours dans une espèce de dialogue avec le marbre. Et mon idée, c'est toujours d'aller le plus loin possible, de pousser le dialogue le plus loin possible pour essayer de lui donner une légèreté, une transparence. Au fur et à mesure de mon travail, si vous voulez, j'affine toujours ma forme, je vais toujours plus loin dans le détail. Et même si j'ai un modèle, d'ailleurs, comme ça peut arriver, parfois quand je travaille avec un modèle, il m'arrive souvent de m'extraire du modèle pour m'adapter à la pièce que j'ai, qui est beaucoup plus importante souvent que le modèle. La question que se pose toujours l'artiste, c'est de savoir à quel moment il va arrêter son œuvre. Je crois que c'est valable pour les peintres, pour les sculpteurs. Il y a toujours cette interrogation qui fait que on est satisfait ou on ne l'est pas. Je crois que c'est le moment où on est vraiment heureux avec sa pièce. C'est le moment où je suis pleinement heureuse avec elle et où je me dis, voilà, maintenant il faut qu'elle fasse sa vie, il faut qu'elle... Vous êtes observé attentivement. Et là, on retrouve donc cette pièce finie, Marie-Pierre. C'est une pièce que vous avez retouchée, vous l'aviez déjà créée, et puis elle ne vous convenait pas. Voilà, comme je disais, je n'étais pas tout à fait heureuse avec elle. Et aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui complètement. Alors, c'est un peu grâce à vous, je dois être honnête, parce que vous m'avez un peu poussée dans mes limites, en fait, avec cette émission. J'hésitais à le faire, ce travail, parce que je prenais beaucoup de risques.
Et quand vous m'avez dit, il faut quelque chose, il faut initier un travail ou pas, je me suis dit, c'est l'occasion de faire ce travail-là. Et donc, je l'ai commencé en direct avec vous, en fait. Hein. C'est ça, et c'est impressionnant. Je suis aujourd'hui très heureuse, oui. Elle est complètement aboutie pour moi. Nous avons une autre pièce devant, c'est cette pièce de bronze. Qu'est-ce qu'elle représente? Alors, ça, c'est un œuf de requin. Wow. C'est assez étonnant, oui. C'est un objet que j'ai pu observer sur Internet, hein, parce que j'ai toute une base de données sur les mers, sur les coraux, les mers, les objets de la mer. Et j'ai été fascinée par cette spirale à l'infini, parce que c'est quand même un des grands thèmes aussi que je travaille, la spirale. Et donc, je l'avais réalisée au départ en marbre noir. D'abord, ça a été un marbre. Ça a été un marbre. Avant de devenir un bronze, hein, d'accord. Oui. J'initie toujours mes pièces. En fait, maintenant, je ne travaille plus que le marbre, pratiquement. J'ai du mal à revenir à un autre matériau. Mais en tout cas, vous le faites divinement bien. Pour notre plus grand plaisir, parce que c'est vraiment très agréable de regarder. C'est une matière, j'ai touché tout à l'heure, effectivement, très lisse et qui finalement, nous porte. On a l'impression d'être dans la mer quand on regarde vos sculptures, en fait. C'est vrai, elles ont cette espèce de mouvement. Pourtant, c'est un matériau qui est assez massif et vous arrivez à le rendre si léger. Il est temps pour moi de faire battre votre cœur, chère Marie-Pierre, avec un troisième jingle, Un nostro battigore. C'est un objet que je me suis procuré auprès de votre frère, qui est une mémoire vivante de la famille. Absolument, absolument, c'est alors, vrai. Alors, est-ce que vous savez à qui appartient ce corail? Ce collier de corail, je ne sais pas si vous le voyez, cette petite merveille. Absolument. Qu'est-ce que c'est que ce collier? Mais écoutez, c'était le collier de ma mère, qu'elle portait toujours quand j'étais enfant. C'est du corail. Donc c'est un corail corse, oui. C'est un corail que mon père, c'est probablement le premier bijou que mon père lui avait offert. Et voilà, j'y suis particulièrement attachée. Je ne l'avais pas revu, puisque... Et voilà. Le corail, c'est là depuis l'enfance, finalement. Voilà, mais oui, je me rappelle courir vers ma mère et voir toujours ce collier à son cou. Il était là et... Voilà, écoutez, c'est beaucoup d'émotions. C'est mon enfance corse, avec nos... Et puis, Marie-Pierre, c'est surtout... La mer, un combat pour vous. Vous êtes quand même militante écologique. Ah oui. Vous représentez, enfin, vous vous battez avec le beau. Finalement, vous montrez tout ce qu'il y a de plus beau dans les fonds. C'est une façon de militer aussi. Absolument. Alors c'est très important pour moi puisque je suis quand même fascinée par ce monde sous-marin, fascinée par le corail. J'ai aussi envie de dire que beaucoup de coraux meurent dans le monde. Tous les récifs sont en train de mourir et que donc il faut absolument les protéger. C'est mon témoignage pour dire regardez comme c'est beau et combien il faut être vigilant pour pas que ce monde meure. Le message est passé, Marie-Pierre. Merci. Merci d'avoir partagé cet art avec nous et avec nos téléspectateurs. Vous êtes la bienvenue. Je vous souhaite une longue route et encore de nombreux projets. Et à boy, bidigua, brusima per un altro battigore. Hey.